Merci. J'ai l'éclat. Bien joué. Je t'envoie les coordonnées du lieu de rendez-vous. Le client t'attendra là-bas. Ok, j'y vais. V. Attends. Quoi? Une fois sur place, pose pas de questions. Ils aiment pas ça. J'essaierai. Oh, mais bouge! Endroit craignos, limousine stylée, costard corpo. Et faut que je file un mot de passe aussi, genre? Sampi. T'es pas du genre locasse, hein? Badi, tangana. Ininfo. Il Un boulot pareil sans aucun incident, sans faire la moindre vague. Alors là, tu m'impressionnes. Le contrat est clos. Merci. La carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Un magasin de vêtements. Si on y allait. Je cherche des fringues classe. Rien de trop voyant. On va vous trouver quelque chose d'élégant. Fait un peu trop woke tout ça. Fais pas V. Mais bon. Après... Que ce soit un peu flashy et tout, c'est l'univers de Cyberpunk aussi. On va dire que ça fait un peu trop mox, voilà.
Ratikapur a fait une overdose de paillettes. T'as dû en entendre parler, non? Une drogue dure qui circule en ville depuis quelque temps. Arati veut que tu détruises le labo de production, qu'il en reste plus qu'un cratère. Regarde la pièce jointe pour plus d'infos sur Arati et son problème. Parle pas, c'est la mission. Cette mission me parle finalement. Faire le grand tour. Laisse-moi me connecter déjà à ça. Merde, c'est là que je voulais aller! Ah oui, il n'y avait pas une fois, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, et en fait... Simple.
Niveau 20 en intelligence et hop. Putain, c'est important ça. Et après je débloquerai ça. J'ai plus de quête. 23 sur 23. Pour le moment, et Sato et Hudson attendent. C'est bien si je peux bien. Quelques temps. Je vais la rejoindre pour récupérer ma récompense, je crois. C'est à mon appart que je vais, hein.
Alors. On va se créer une tenue avec tout ce bordel. Attends, si je peux me créer des trucs là. On va faire ça parce que de toute façon ça va m'aider à des trucs. Ah, faut que je garde des composants en fait. Avec ça, c'est mieux. Non, ça lui va tellement pas la short. Jean, ouais. Ah non, c'est pas trop comme ça, ça va pas. Thank you.
Ah, ça fait de la place. Bon, on va enfin pouvoir avancer l'histoire. Même si les quêtes étaient bien. Au moins ça m'a fait monter mon level. Là je vais arriver, je vais faire un carnage. Jackie, ça fait des jours qu'il attend ici. Te voilà. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Dex a déjà payé les Maelstromers pour le robot Corpo. Sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance? Irrolé. Bon, ça change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi, t'as un plan? C'est vrai que c'est con de payer d'avance. Avec Militech, on a trouvé un accord. Ils vont aligner l'argent pour le robot. C'est con de balancer autant de fric comme ça. Laisse tomber, Jack. Ce sera comme si on l'avait jamais eu, ce fric. Et puis on sait pas comment va tourner ce deal. De toute façon, la puce est verrouillée. Oh merde. Dès qu'ils sauront, ils voudront nous fumer. Il vaudrait peut-être mieux les prévenir. Tu veux leur dire qu'on fourre du fric toxique? Là, c'est sûr, ils sont vénères. Vaut mieux pas financer parfois. Mais bon, c'est toi qui vois. Bon, on entre faire coucou à ces Borg. Allons voir ces enfoirés. Bon, on va frapper à leur porte. On verra déjà s'ils ouvrent. On fait cette mission, après je pense que ça va être là pour ce soir. Ah, je hais ces enfoirés de Borg. Fallait que ça tombe sur eux. C'est un gang comme les autres, non? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madre. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent, et ce qui les fait chier. Avec le Maelstrom, on sait jamais à quoi s'attendre. Vas-y, préviens-les qu'on est là. Je vous connais pas. On vient parler à Royce, de la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Charmant comme endroit. Manque juste quelques plantes. Ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers sur une charogne. Une mine antipersonnelle à projection de shrapnel directionnel. Mes préférés. Tout en finesse. T'inquiète, ils veulent juste nous faire flipper. Reste cool.
fait. On est chez eux, n'oublie pas. Bon, vous voulez quoi? Vous avez un robot. Un modèle MT0D12. Un flathead. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il le faut. Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom Dom. Le canapé, posez vos queues. Ça vaut aussi pour toi. Tu con. Je vais rester debout. T'as du mal à piger, connard. Pose ton putain de pied sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul avant que je te colle une balle dans le crâne. Tu sais quoi, Jack? T'as gagné. On n'a qu'à buter ces bâtards. Oh! Je m'attendais pas à ça! Oh non, mais pour l'ambiance, non, je peux pas. Je peux pas pour l'ambiance. Oh non. Oh, pour l'ambiance de la mission, non, non, je suis obligé de recharger. Je savais pas! T'es obligé de répondre. Et puis c'est lui qui me dit coulo, c'est tout. MT0D12, un flathead. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il le faut. Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom Dom. Le canapé, posez vos queues. Ça vaut aussi pour toi. Tu con. Je vais rester debout. T'as du mal à piger, connard. Pose ton putain de pied sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul à... Assis-toi. Ça va mal finir, tout ça. Fais chier. Bon. Très bien. Allez, on se détend. Prends une dose. Ça va mieux? Maintenant, on peut causer. Et voilà. Le Flathead. Modèle MT0. Militech va pas essayer de le récupérer? Ils peuvent toujours essayer, ces enculés. On a effacé le numéro de série et fait sauter le verrouillage d'accès avec notre logiciel. Il sera à toi, pour de bon. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret, Joujou. Planage avec camouflage thermo, optique dynamique, immersion cognitive totale avec contrôleur Revel, prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Et regardez ça! Liaison intégrée complète, alors que l'araignée se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. La gerbe assurée. Alors vous en dites quoi?
On le prend. Hey News, c'est super. On peut voir vos crédits. Demandez-les à Brick, il a été payé. Demandez-les à Brick, c'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi? Eh oh, tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot. Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas? Hein? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le ferais. Bon, si vous voulez le Flathead, faudrait mieux allonger les CDI. Pas de soucis. Ils sont juste là. Sérieux? Tu vas me les filer comme ça? Sans gueuler? Je te file la puce, tu me remets le robot. C'est simple, pas besoin de compliquer les choses. Tu me fais scout, toi, hein? T'as une petite vieille à traverser. Au fait, je pense. Tu nous as pas dit qui t'envoie. Pour qui tu bosses? Dexter de Shaun, si tu veux le savoir. Dexter de Shaun. Le gros lard qui a enculé la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Mon offre, là, tu l'acceptes ou pas? Les crédits sont là-dessus. C'est du beau matos, ce Flathead. Il fera l'affaire, quoi que vous ayez prévu. Là, je préfère comme ça. Mon flingue, ça. Virus a dû activer un protocole de sécurité. Vite mon frère. Contrôle, vite. Faut trouver un moyen de sortir d'ici. C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse. Vaut mieux pas traîner. Oh, le bel. Il y a encore des trucs intéressants, non? Hein? Déjà ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là ici après. Sans froid, hey. Réflexe. Est-ce qu'il y a un truc avec le monocable qui peut être cool ici? Là, ça, c'est le katana. Cette ligne-là peut être intéressante. Bon, on la montrera. Sinon, ici, qu'est-ce qu'on a? Okay.
Pourquoi ça fait monter quoi? Regardez le point. Bah non, attends, non, je vais monter mes capacités techniques. Alors, ça, ça. Ah, attends, c'est pour un point d'attribut. Bah oui, bah attends. Allez, dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. Arrête sur toute cette viande. Ça me donne envie de gerbe. C'est une chaîne de production. Puis je croyais que t'aimais la barbaque. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Les détonateurs et armés. Je m'appelais pas qu'il y avait une galère pour ouvrir sa porte à la con.
Oh putain, mais c'est quoi son code aussi? Jack, bouge. On les a tous eus. Bon, le code, putain, je me rappelais pas que c'était galère à trouver un putain de code. Neuf six neuf un et hop. Putain, ça m'a paru une éternité. C'est un peu à cause de toi qu'on est là. On est venu chercher de la tech achetée par Dex. Il vous a dit de me libérer? Non, juste de récupérer le robot. Du Dex tout craché. T'es enfermé là depuis longtemps? Quelques jours. J'ai un peu perdu le compte. Des Gallois me faisaient passer des trucs. Ils voulaient m'aider. Ross les a balancés dans le séchoir à micro-ondes. Et j'ai dû regarder. J'ai comme l'impression qu'on t'a sauvé la peau. Je crois que tu nous dois un service, en vrai. Eh oh, doucement, d'accord? Vous en vaudrez ça, mais là, j'ai autre chose à foutre. Si jamais on se recroise, vous pourrez compter sur moi. Et le pire, c'est que c'est un choix qui aura une influence beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard.
Ça c'est cool. Beaucoup critique des familles là.
Là il devrait crever. Putain. J'aime bien ta façon de bosser. Un autre boulot pour nous, ça te dirait? Ce sera avec plaisir. Alors, à la prochaine, V, si les dieux des corpos le veulent. Sécurisez la zone. Il est temps d'y aller, Mamita. Putain, V. J'étais pas sûr qu'on repartirait en un seul morceau. Merci, Jack. T'as encore assuré. Et toi aussi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien? Ouais, je veux juste être sûr que... Tu sais, c'est cool entre nous. J'aime bien bosser avec toi. Moi aussi, mais... Moi aussi. Hey, je te laisse prévenir Dex qu'on a son jouet. Après, je propose qu'on se retrouve à l'Afterlife. Histoire de s'envoyer quelques shots. Ah, il est où, V? Comment ça se présente, Miss V? J'ai le robot. Ça s'est bien passé? Tu n'as pas eu d'ennui? Et avec Militech, ça a donné quoi? Pas d'ennui? Bien sûr que si. Vu que Roy s'en foutait complet de votre accord avec Brick. Comment tu l'as amadoué, alors? Tu t'es servi de la corpo? J'ai vu Stout. On a trouvé un terrain d'entente. Bien. Elle m'a donné la puce avec les crédits pour le Maelstrom. Le virus a attaqué leur système et cramé plusieurs Maelstromers. Je me suis occupé des autres. Tu as du cran, Miss V. Tout est prêt. On est bon. Et maintenant? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la biopuce. On poursuivra cette discussion à l'Afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok. J'y serai en moins de deux. Au revoir, Miss V. Et on a le... L'up. Alors. On va monter ça en attendant. Et on va monter ça aussi en attendant. Du coup, c'est cette ligne de déplacement rapide que je voudrais monter. Oui, on va se regarder et je vais m'arrêter là pour ce soir. On aurait quand même fait, je sais pas combien d'heures de jeu aujourd'hui. Aïe. Aïe.